Je vais vérifier quand même. Ah oui. Bon bah tant pis, on va voir, je vais essayer de voir avec. Ok. Bon, c'est pas grave, on va commenter comme ça pour l'instant, on verra bien. Ok, donc il y a 3 secondes de décalage entre synonyme et mu sur le lancement, mais ça fait rien. Faudra faire attention, c'est pour ça qu'ils sont pas parfaitement synchronisés pour l'instant. Donc ouais, Sinan a un PB de 38, combien? 53, ce qui est excellent. Et Mumu a un 39-19, ce qui est excellent aussi, donc ils ont moins de 30 secondes d'écart. Donc... on va avoir une race serrée, j'espère. Est-ce qu'ils vont tenter le tout pour le tout? Est-ce qu'ils vont faire des saves avant le lava dive? Si vous comprenez pas ce que je dis, dites-le moi. Si vous savez pas ce que c'est qu'une save ou un lava dive, demandez. Si vous savez pas ce que c'est le jeu, demandez-moi. Mais je vais partir du principe que vous connaissez tous. Eh oui, 44-68, très très beau CRS, très très bel escape de CRS pour Mumu. On apprécie. Merci pour la sync. Moi j'ai pas de son. Vous avez pas de son les gars peut-être. Ah c'est d'un ennui. Ah ouais? Je peux être plus fort. Ah bah oui, effectivement. C'est parce que c'était pas fort du tout. On a bien le son de Sinan, excellent. Ah! Ce son d'ouverture de porte me réchauffe le cœur. C'est moi qui me sentais seul. Merci, du coup, tout fonctionne, c'est parfait. J'ai pas vu, est-ce que Sinan a pris le moonfall? Oui. Et ah, Mumu a pas réussi son moonfall. Il va faire un petit gauche-droite ici. Malheureusement, un peu trop tard, du coup, il a dû se poser sur la plateforme. Pitofel, 2 chutes. Attention, attention à l'exécution dans cette salle. Très compliqué. Ouais, ça coûte cher, hein, le début. On rate un moonfall et on perd presque 5 secondes. Très beau. Comment ça s'appelle déjà, le down back qu'on a pu voir chez Sinan. Ah, il faut appuyer sur les touches, mais au bon moment. Attention. Alors les règles du GT classique. Il n'y a pas de glitch majeur. En fait, on va simplement utiliser le fameux GT code, qui est un petit code laissé par les développeurs, qui se trouve derrière le dernier mini boss du jeu. Donc il faut être dans l'avant-dernière zone du jeu, l'eau à l'enfer, avant d'aller battre Ridley, qui est le dernier des 4 boss du jeu avant le True Last Boss. C'est tard dans le jeu normalement, mais là on va y aller assez rapidement avec le moins d'items possible, pour y aller le plus rapidement possible. Très belle climb du côté Sinan. Et on va accéder à ce dernier mini-boss en passant par la porte de derrière et appuyer sur les 4 touches de la manette, à savoir A, B, X, Y. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous donner un set d'objets assez avancé dans le jeu. Donc ça va nous donner quasiment tous les objets et un bon lot de munitions et beaucoup de vie. Et une fois qu'on aura tout le matos du GT code, et ben on pourra rouler sur le jeu et le finir rapidement.
Et moins de 5 minutes ici, c'est bien. Mumu accroche un petit peu sur tout là, il est pas réveillé. il a une bonne quinzaine de secondes de retard sur Sinan pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas décisif. On va nous habituer mieux. Alors le bon drop. Ah, pas beaucoup de missiles, hein, dommage pour Mumu. Il va devoir faire un deuxième cycle, mais c'est bon, là il a ce qu'il faut. Ok, alors est-ce que Sinon va réussir son Terminator? Il a l'air d'avoir la bonne vitesse. Premier move détruit, excellent. C'est bon, on a le setup. On détruit tous les monstres. On peut prendre le tank et c'est une salle satisfaisante. Pareil, Mumu, je pense qu'il a eu un setup un peu plus long, mais plus safe, plus garanti. Du coup, il l'a aussi. Ah, est-ce qu'il saute et il fait le damage boost? Moi j'y crois mort. Oui, le saut. Mais il prend les dégâts. Est-ce qu'il le boost? Piou! Non. Mais bon, il est passé à travers le premier ennemi sans prendre de dégâts. Voilà, donc là, du côté de Mumu, on voit qu'il a 50 points de vie de moins que Sinan. Parce qu'il a choisi de prendre les dégâts pour traverser les mobs. Enfin, les ennemis, les pirates. Tandis que Sinan a préféré les tuer et économiser de la vie. Alors, la technique de Sinan, enfin le choix de Sinan est plus safe, disons, mais moins rapide. Quoique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Red Tower, c'est un endroit assez dangereux. Avec Tower, ça va être la prochaine zone où on va récupérer les Power Bombs. Et avec le peu de vie qu'on a, la moindre erreur d'exécution peut vite devenir problématique, voire fatale. Magnifique. J'adore comme il esquive toutes les plateformes sans les accrocher. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est du boulot. Donc Sinan du coup va arriver à la Red Tower. On va pouvoir voir cette fameuse climb de la Red. Est-ce qu'il va la faire en un ou deux cycles ? Ou plus. Premier gros trick du jeu. Donc là, le hero shot a l'air bien exécuté, mais un petit peu trop à gauche. Malheureusement, du coup, le bloc n'a pas disparu. Et ah là là, ça va faire mal parce que peut-être que le bloc. Voilà. Donc là, on est sur un troisième cycle. Pour l'instant, la mémie rattrape. Ok, là, c'est bon, ça s'est bien passé. Hero shot n'a pas été jusqu'au bout pour Mumu. Le hero shot, en fait, ça consiste à accompagner son beam, son shot, le plus loin possible en l'accompagnant sur l'écran. Quoi. Et sans les high jump boots, comme on saute moins haut, là, c'est plus compliqué de l'emmener assez haut pour pouvoir casser le bloc. Et Mumu a un peu mongolisé dans cette Red Tower, enfin dans cette petite room. Du coup, il a plus beaucoup de vie. Et on veut pas avoir de décès. Ah, s'il rate les damage boost et qu'il se fait encore croquer par les ennemis, ça risque d'être problématique. Ok, sinon il choisit de récupérer un petit peu de vie. Parfaitement raison. Est-ce qu'il aimerait bien choper? Je pense que c'était un missile. Bon, ah, dommage, il s'est fait croquer, du coup c'est perte de temps quoi. Oulala, Mumu qui s'est pris un... une chenille qui fait beaucoup de dégâts. Là, il panique un petit peu, il fait un peu n'importe quoi, le père Mumu. Ok, c'est bon, il va pouvoir refarmer les ennemis ici et récupérer sa vie. Ça va le faire. Un missile, ce serait bien.
petit missile. Allez, bah tant pis. Un petit missile, ça peut servir. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On essaie de faire un moonfall, mais on casse pas le bloc. Reprends-toi, Mumu. C'est en toi que je crois, tu es mon poulain. Je sais que tu peux faire des miracles. Ah ouais, pas mal. Pas mal ce damage boost. Oh là là. La pince qui fait peur. Ok. Donc voilà pourquoi on voulait des missiles ici. Mais une power bomb, hein. C'est pas mal non plus. Ok, on a suffisamment de munitions pour achever Kraid rapidement. Donc sinon, je fais le setup missile super, puis deux autres super. Bim bim, bif paf, boum, excellent, bravo, bravo à lui. Allez, à ton tour. Oui. Montre-nous ton skill. Ah, c'était un petit peu tôt. Waouh, nickel, nickel. Là, on a pu voir un autre setup qui est un peu plus long. J'utilise celui-ci aussi. J'ai jamais pris la peine d'apprendre le setup avec un missile. Ok, on prend pas l'e-fake. Désolé pour cette fatigue. Toujours très belle cette petite meuble. Très esthétique. Je pense que Mumu va également skip hein, ce T-Tank. Ouais. Ok, par contre, je pense pas qu'il va skip l'autre T-Tank. J'imagine que Sinan va récupérer au retour. Bizarre qu'il ait pas pris à l'aller. Ah, très beau setup. Un petit high five à l'Energy Tank de la part de l'Ode Runner. Claude, jamais de la vie. Presque. Ok. Sinan, lui, fait la save avant le live. Parce qu'il y a une... Oula, oula. Heureusement pour lui, il est resté un missile, c'est bon. Il a tiré du mauvais côté. Sans doute dû aux effets de l'alcool. Ça va, je m'en sors. J'ai eu une semaine difficile. Comme beaucoup, j'imagine. Ok, Mumu ne fait pas de save, du coup. Bon, alors, Mumu, je crois en toi.
On veut pas voir de run de 1 heure. Hein. Pour la santé du commentateur, s'il vous plaît, ne faites pas des runs de 2 plombes. Quelle entrée semble... Ah, échoué! Échoué! Oh, c'est pas grave. Il y a suffisamment de vie pour remonter ensuite. Et... juste un peu plus tendu. Yes, bravo! Et Mumu échoue également. Mais retente son setup rapide. Non, là, là, c'est trop tôt là. Si, c'est bon, il a l'entrée rapide. Du coup, il perd moins de vie, il arrive plus vite en bas. Du coup, c'est moins stressant pour remonter. Ok, super. Et nos deux joueurs sont presque synchro. Hein. Le fait de pas avoir save, du coup, ça... ça fait que Mumu rattrape un petit peu son retard. Sinan est un runner très très solide. Il est pas là pour rigoler. Ok alors. Oh joli, joli. Deuxième try. Même si le premier try était... était ballsy, comme on dit dans le jargon polonais, sans doute. Ok, c'est là que se passe le GT code, donc là on appuie sur les 4 touches. Et voilà, attention à ne pas tirer avec le phaser et le plasma en même temps. Non, 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 pas ça, Mumu, non, c'est le reset. C'est le reset. Et voilà, du coup on a tous les items du jeu, même le crapin et le X-Ray que nous ne voyons pas. Mais pas de panique, Mumu avait fait une save avant le Green Gate glitch. Enfin, ça nous donne tous les items du jeu, sauf la Squat Attack qu'on récupère derrière le GT. Ah. Pas de high five cette fois-ci. Bravo. Ah voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mumu est back in the game. La screw, hein, ça aide énormément. Mais moi j'ai toujours pas mon sub 40. Faudrait peut-être que je m'active un genre. Il faut enlever le spacer, hein, pas le wave. Si on enlève le wave et qu'on garde le spacer et le plasma, on fait exploser le jeu. Et on se place mieux que ça. Voilà. Intéressant. Screw Attack suivi d'un magnifique Chain Spark. C'était magnifique, effectivement. Oh, très belle ouverture du portail. Tandis que le l'écho de Samus détruit le premier pirate ninja pirate goldé démoniaque. Ah, ce setup, dommage, dommage. C'est un peu compliqué de... faut tirer en diagonale pour ouvrir la porte, mais faut être sur le bon alignement. Et ensuite, le saut est très très complexe quand même. Ça nous permettrait de garder la vitesse pour passer la prochaine salle en speed jump. On a combien de tirs? 11.
On est à 11 tirs. 9. Allez. 8. Ah, il est capricieux, il l'est. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et voilà, c'était le dernier tir, c'est bon peu. Ok, on en met 2 points en plus pour le fun. Voilà, c'est cool. Ça a été un petit peu long. Hein. Ah, Mumu a réussi à regarder la vitesse. Ok, bon bah maintenant il y a quasiment plus rien à commenter quoi. C'est pas très passionnant à commenter finalement. C'est plein de rebondissements. Ah, la blue ball. Là, non, pas la blue ball. Dommage. Oh, mais je dors déjà. C'est un item pas du tout indispensable, mais qui est tellement cool. On peut faire tellement de choses avec la Spring Ball. C'est l'item du swag et de la liberté. On voit quand même que Sinan il rigole pas sur l'optimisation des salles. Je suis obligé de... Ouais, de m'incliner. Oh là là, beaucoup de dégâts pris. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'avoue, j'avais pas vu parce que le message a été supprimé, mais j'ai relu. C'est vrai que pour le Spike Suit, ouais, au niveau de Dragon, c'est mieux de l'enlever. Rien que pour ça, j'avoue. Pour ceux qui savent pas, en fait, la Spring Ball, ça permet de sauter quand on est en Morph Ball. Mais quand on l'a pas et qu'on appuie sur le bouton de saut, on se relève comme si on appuyait sur O. Et pour faire une Spike Suit, il faut appuyer sur le bouton de saut à la bonne frame. Et une Spike Suit, c'est quoi? Une Spike Suit, c'est qu'on va entre guillemets sauvegarder un Shine Spark pour plus tard. C'est un trick, c'est un bug du jeu qu'on exploite. C'est assez récent finalement. Ça. C'est pas si vieux que ça les Spike Suits, c'est assez nouveau. Donc ouais, à ce moment-là, la Spring Ball peut nous poser des soucis si on gère ce trick. Bon, on va bientôt voir Botwin se faire atomiser. Atomiser à coup de X-ray. Le X-ray que nous ne voyons pas mais que nous avons. Donc là, on sélectionne le X-ray qui est invisible. On jette un tir chargé. Et on... Oula. Et on ralentit... Enfin, on stoppe le... Ouais, on met entre guillemets le jeu sur pause.
Et comme ça, les frames d'invulnérabilité du boss disparaissent. Et quand on enlève la pause avec le X-ray, il reprend les dégâts du beam. Et on réexécute cette manipulation jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est le fou la fille. Bravo. Mais c'est magnifique. Full Alphi, ça c'est la classe. Ça c'est vraiment la classe. T'as été banni, bah je sais pas, t'as arrivé peut-être trop vite. J'espère que t'es toujours là, mais ça va être les modos. Je sais pas, ça va être le kappa et ça me fait chier. le robot a dit oulala, calme-toi. Mais moi je t'en veux pas, t'inquiète. J'espère que personne t'en veut. C'est juste. C'est Skynet, ça, c'est comme ça. Ouais, la Spring Ball, ouais, mais. T'as insulté personne, hein, t'inquiète. Je suis Clément. Le chat est incroyable. Incroyablement calme. Alors Mumu, est-ce que tu vas faire au moins un elfine, mais pas du tout. Alors, on n'a pas de spike suit là du côté de cinéma. Donc on peut le considérer comme un noob du coup. Soyons cruels. N'ayons aucun respect. Mais moi-même, je suis hypnotisé, je suis en train de scotcher. Bon, du coup, Amu, il essaye de faire la. Non, bah, il l'aura pas. Tant pis. Bon, alors, du coup, Mumu, il va se mettre en position accroupie. Mais pourquoi il se met en position accroupie pour faire un le kill? Parce que quand. Voilà, quand la crevette est atomisée, et ben ça force la position debout. Et comme on est en train de enchaîner les manipulations pour reset les frames d'invulnérabilité pour lui faire plein de dégâts, etc. Donc en gros, bah on sait pas trop où on en est. Bah des fois c'est difficile de savoir s'il est mort ou pas, alors on a tendance à l'overkill et à faire plus de dégâts que nécessaire. Mais grave skin. Tellement. C'est sur le Discord d'ailleurs, de la French. Je sais même plus. Il semble, hein. Oui, complètement, hein, tiens. Et d'où la position accroupie. Ça va trop vite pour les explications. Alors là, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est quel Fentoon on va avoir, quoi. Est-ce qu'on va avoir le Fentoon Quick, le pattern rapide, qui nous accorde le PB, hein. Parce que y a plus que ça, finalement. Y a plus que ça qui compte, quoi. Ah, dommage pour la Blue Ball. Quoi cette morph. Et ce n'est pas un rapide, peut-être un médium, et un mid. Le mid, non. Ah, et c'est le slow pattern pour Simon. Demi-cile, sélection, buit, ah là. C'est bon, ça passe, ça y est. Petit coup de X-ray là. Oup. Et on explose le boss. Dommage qu'on puisse pas le faire sur Ridley et Motherbine. Enfin, dommage. Peut-être pas dommage finalement, ça gâcherait un peu le plaisir aussi.
Allez, moi je suis sûr que Mumu il va avoir un pattern rapide et que du coup il va repasser devant. Parce qu'il aura, il aura gagné 8 secondes. Et c'est ça. C'est les 8 secondes là. Ça se voit d'ailleurs. Ah, il s'est pris les pieds dans la porte. Ce qui lui a fait perdre sa vitesse. Du coup, on court sous l'eau. On se cogne les pieds dans la plateforme. Heureusement qu'elle n'est pas constituée de briques de Lego. Sinon, la douleur serait insoutenable. Hein. Ce serait du. du One Hit KO. Ah, bah non, pas de rapide. Et c'est un mid échoué. Échoué pour Mu. C'est maudite flamme qui se met dans tous les sens devant. Allez, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Qu'est-ce que c'est? C'est trop tôt là. Qu'est-ce qui se passe? C'est raté. On veut pas voir de choses pareilles. Oh, Mu qui exécute parfaitement son X-ray et qui atomise le boss. J'y ai toujours cru. Je n'ai point douté. Avec ce petit son de fermeture de porte très très swaggy, hein, qui est... Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est une preuve d'exécution, c'est sûr. Sinan qui doit être en train de boire un coup, checker son chat. Pour en boire un coup. C'est un week-end chaud. Ah, je les connais pas très bien. Il y a le GT Space Time. En genre 12 minutes, je sais pas. Non, c'est plus gros quoi ça. Enfin, c'est plus, plus moins rapide que ça. Parce que avec le GT code, ah, il y a le GT 135, ouais, on torche le jeu une première fois et on le refait une deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe, lui? Je regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Mais le classique, c'est vraiment le classique. Hein. C'est le plus simple à apprendre. C'est pour ça que je connais pas les autres d'ailleurs. Le Space Time, ouais, c'est avec le Spazer et le X-Ray, on peut faire des trucs chelous. Le Spazer et le plasma, on peut faire des trucs un peu chelous. Oui, c'est celui qui demande le plus d'exé, puis qui est peut-être le plus fun à regarder aussi, parce que les autres, ça va être du glitch, du OB. On va passer entre les murs et faire des trucs bizarres avec le X-Ray, c'est pas très fun à regarder, quoi. Ensuite voir un générique de fin. Oh bravo, très beau générique de fin. On aura pas de combat, ce sera des trucs complètement glitchés. Ah dommage, Simon qui ne fait pas le Metroid Skip. Je suis pas sûr qu'il avait l'intention de le faire vu les points de vie qui sont restés. Il a dû skipper le skip. Oh, Mumu, là, tu commences à déconner. Il en reste un, paf, c'est bon. Ah, le missile dans le mur. Oh, nice. Très joli. Thank you.
Ok, alors le zébétite. Parfait. Aucun souci avec le zébétite. Alors à quel moment ils ont enlevé la screw? J'ai même pas fait attention. Parce que c'est vrai que faire le zébétite avec la screw attack, c'est beaucoup plus compliqué. Alors Mumu, peux-tu nous faire un magnifique... magnifique skip, c'est bien parti. Ouah, c'est beau, c'est très beau. Il n'y a pas eu beaucoup de tournicotito, nicoto là, ça a été... vite fait, bien fait. Yes. Un 6 là. Ok, parfait. Ah, du coup, ils sont pas si loin que ça, en fait. Cette musique effrayante. Je pense qu'il faut appuyer sur beaucoup de touches de synthé en même temps pour faire ça. Un petit côté Aristochat que j'aime. Ouais, stand up. Attention à pas glitcher. Faut pas faire de bêtises avec le stand-up. Je me suis déjà fait avoir. Voilà, donc il emmène bien la larve à droite. Parce que si on l'emmène pas à droite, au bon moment, ou bien qu'elle s'arrête de... enfin, qu'elle se fige trop tôt et qu'elle est figée à gauche, elle reste dans les papates de Mother Brain et elle s'est pas achevée. Elle s'est pas achevée parce que Mother Brain ne peut pas taper dessus. Du coup, le jeu veut plus rien savoir. C'est le soft lock total. Bah, c'était un beau stand-up. Une nouvelle fois admirer cette magnifique technique du stand-up du côté de chez moi. Ou sinon, on peut regarder une escape. C'est sympa aussi à regarder. Il y a des petites explosions partout. Et puis des fois on court, hop, on fait un petit shine spark comme ça, on ouvre une porte, on prend des dégâts. Et puis pendant les frames d'invulnérabilité, on traverse des ennemis. C'est sympa à regarder, je trouve. On peut faire des moonfalls aussi comme ça, pour tomber très vite. Très très vite. On a plus cette vitesse de chute maximale. Il n'y a plus de maximale, c'est uncapped. On dirait bien qu'on va faire un sub 40 en race. Oui. 39-43. Félicitations. Alors d'après le speedrun de SRL, il aurait fait un PB. C'est son meilleur temps pendant ce tournoi, sans doute.
33-37. 3 minutes 37. Non, je pense pas. Je pense qu'il a fait mieux que 43 minutes. C'est des bêtises. Mais bravo, bravo, sinon. Est-ce que tu vas me rejoindre pour une interview? Je ne sais pas. Goal de 40 secondes, mais bravo, bravo, 40-43. Très beau temps également. Vous étiez à peine une minute d'écart. C'était quand même. C'est bien. C'est très bien. Je vous admire tous les deux. Alors, est-ce que vous avez les liens pour le Discord, pour qu'on puisse se parler? Ah bah merci Cryptis, tu peux en envoyer un aussi à Mému. Nice, merci beaucoup. Je vais avoir de la compagnie. Eh oui, Kenji Yamamoto. Allô, allô? Allô? Ah, alors attends, je baisse un petit peu le son, sinon ça va faire un écho. Comment ça va? Bien, bien. Eh ben, GG, est-ce que c'est ton meilleur temps pendant le tournoi? Pendant le tournoi, ouais. Ouais, bravo. Ouais, parce que je veux. Ton PB, il est bien en dessous, t'as quasiment une minute d'avance, quoi. Mais là, ouais. La belle perf, hein, t'as fait juste deux sauvegardes, normal pour les races, quoi. Ouais, ben c'est ça, sans les sauvegardes, c'était pas loin de mon PB, puis maintenant avec un baby skip, hein, ça a été... Ouais. Le baby skip, tu l'as sur ton PB, je me demande. Oui, je l'ai sur mon PB, donc... Yes. Ouais, non, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, hein. Puis le full Alfie, pff, impressionnant. Ouais, je l'ai seulement en GT classique, surprenamment, la seule race que ça sauve pas de temps, vraiment. Je suis pas capable dans les autres... Et Mumu nous rejoint également. Salut Mumu. Bonjour. Bonjour, bah très belle run aussi. Hein. Ouais, merci. Bien joué, Seinan. Toi aussi, c'était quand même serré. Dommage pour le fail de GGG que j'ai fait. Ouais, c'est ça que j'ai cru voir parce que c'était pas mal tout le temps à la même distance tout le long, sauf à part ce petit bout-là. Ouais, je me demande si t'as perdu. Enfin. Tu la donnerais une minute. La minute, elle est là-dessus, finalement. Une minute de retard, quoi. Enfin, après, il y a peut-être une dizaine de secondes ailleurs. Il y a eu beaucoup de petits accrochages. T'as pas eu Tourian. La... Mais Tourian. Tourian. Ouais. J'ai pas compris. T'as bloqué sur toutes les larves. Tu voulais pas les tuer, je sais pas. Et puis après, ce baby skip qui était franchement le meilleur que j'ai jamais fait. Ouais, il était magnifique. 4 ou 5 sauts à peine. Motherbrain. Motherbrain nickel aussi. Ouais. Et du coup, 40 secondes de gold, quand même, ça fait lourd. Oh, ouais, c'est quand même pas mal. 40 secondes, c'est violent. Hein. Mm-hmm. Tu te dis que, ouais, finalement, ça se tient dans un mouchoir de poche, tout ça, quoi. Ouais. Je suis en train de me demander, c'est quoi les prochains matchs du tournoi?
Je sais qu'il y a, il y a John contre Karl encore, non? Si je dis pas de bêtises. Pour cette ronde ici, je pense que ouais. Je vais essayer d'aller regarder ça. Non, John Karl, c'était leur, le tour d'avant. Là, c'est. Ah oui, oui, bah non, c'est. C'est John Steph. Et Scarz oui, Apple. Ah, c'est bon, je suis sur la page. Alors, j'ai fait 40-44. Non, c'est Steph contre John. Et du coup, c'est demain à 17h, j'ai vu. Et 39-47 pour Sainan. Il y a Carl Didi, je sais pas si c'est passé. Ouais, je crois que c'est le premier match qui a été fait, je crois. Ah, ok, mais il a pas été restream ou je sais pas. Ouais, donc prochain match à 17h, donc du coup c'est 11h. C'est Carlito Didi. Carlito Didi, c'était 41-59 contre 56-34. Oh, c'est pas beau pour les deux. Mais Carlito, ce tournoi, il a pas fait de grandes perfs, hein, Carlito. Il a rien fait en dessous de 40 quand même. Rien fait en dessous de 40 sur tournoi, Carlito. Mais à chaque fois, il allait genre sauver les animaux et trucs comme ça. Ouais. Mais plusieurs fois, je crois qu'il pouvait faire des sub 40. Mais il est vachement régulier. Hein. Ouais, ouais. C'est 4 temps, c'est entre 40-32 et 43-07. Moi aussi, ouais. C'est très régulier sur mes, sur mes échecs. J'ai du mal cette catégorie, je sais pas pourquoi. Il dit qu'il avait 56, j'ai pas vu. Bon, 56, bah on va peut-être prendre l'antenne, du coup, je sais pas ce qui se passe ensuite sur la chaîne. Un autre match de Zelda. Non, je sais pas ce qui se passe ensuite. Ben, merci en tout cas d'être venu, d'avoir fait une belle race et de nous avoir regardé. Les gars, je sais pas si vous voulez dire. Merci à toi d'avoir commenté. Yep, merci pour le commentaire. Puis Gigi et Mumu, bonne chance. Prochain match, je pense qu'il en reste rien qu'un, c'est ça. De même pour toi. Je me demande contre. Attends, je suis tombé sur qui pour l'instant? Je suis tombé sur Karl. Scarz, Mege et toi, probablement John le tour prochain, peut-être. Ouais, peut-être. Attends, je sais pas, faudrait regarder au niveau des scores. Déjà, je vais reporter le score Carlito qui a gagné. Je vais reporter les scores. Alors, Carlito, il avait gagné. Bon, on verra. Ouais, ciao tout le monde. À la prochaine. J'ai reporté les scores. Alors, Carlito, il avait gagné. Bon, on verra. Ouais, ciao tout le monde. Mm.